bonsoir à tous tes amis Télévision Pacifique, yo, spécialement Moon qui remet l'émission à travers. Jodia, nous avons un plaisir pour nous recevoir l'édition à travers là. Et Jean-Claude Fignolet, fils, et qui c'est petit Jean-Claude Fignolet, père, et qui c'est un gros romancier haïtien qui a une réputation internationale. Et Jean-Claude Fignolet, père, c'est lui-même qui, avec Franck Etienne et René Philo, peut-être créé le mouvement Spiral en Haïti. Merci parce que tu as accepté et puis répond à l'invitation et Télévision Pacifique, et spécialement l'invitation à l'émission à travers. Merci pour l'invitation. C'est un honneur, c'est un plaisir pour moi, pour moi chita avec vous, pour nous faire un petit dialogue et journée aujourd'hui. Voilà. Et Jean-Claude, alors, Carlo Jean-Claude, je vais dire Jean-Claude. Pas de problème. Pas de souci. Alors, Jean-Claude, dis-nous, en dans la famille, il y a deux grandes personnalités. On vient de parler de votre père, qui c'est Jean-Claude Fignolet, père, bien sûr. Mais avant ça, autour des années 50, je crois, tu as gagné Pierre Eustache Daniel Fignolet, qui c'était grand tonton, qui va mourir en l'année 86. Dis-nous, est-ce que tu as gagné une chance de contrer avec grand tonton ça? Et physiquement, non. Et contré avec dans l'histoire d'Haïti, à la table et de déjeuner et en famille, nous t'ai parlé en pile de exemple que monsieur t'ai tracé, exemple que monsieur t'ai quitté pour nous, un exemple qui t'ai vraiment forgé dans honnêteté de soi, son monde qui t'ai quoi que faut que nous t'ai honnête avec tête nous et qui t'ai gon vision pour société et société haïtienne que peut-être yo pas de comprendre à l'époque, mais qui t'ai vraiment et chita sous et question main en main, question combit entre diverses et classes et dans la société. Ya. Et une façon pour nous et mettre ensemble pour nous faire payer à le devant. Donc, c'était ça, vision monsieur. Monsieur parti de une base de lutte et travailleur. Monsieur, t'es quoi? Monsieur, t'es quoi dans ça? Et monsieur, t'es très populaire. Je m'a pas annoncé mon nom, mais monsieur, t'es très populaire dans Port-au-Prince. Et c'est à partir de Baza, mais monsieur, c'est pas ton. On lutte pour renverser, disons, brutement et l'ordre des choses, mais plutôt pour te voir comment classe qui possédant, comment classe possédant, te ka mette à l'œuvre de classe majoritaire dans le pays d'Haïti. C'était plus une démarche de réforme qu'on démarche de révolution. De réforme, exactement. Mm-hmm. Exactement. Et puis devant, il y a une chance de grandir à un monde que nous connaissons qui est extraordinaire, qui nous les textes côté écrit après avoir été fait une transité malheureusement en juillet, l'année 4 2017, mais en mois juillet. Et parlez-nous, on parle de l'exemple que Pierre Eustache Daniel Fignolet quitté pour famille, mais parlez-nous de papa particulièrement qui saleté d'où de réussite. Saleté d'où de réussite, papa? Mon cher papa, nous sommes un monde qui était très humble. Et il était une réputation qui était large, qui était traversé le monde entier, surtout sous question littéraire, surtout sous question et livre. Monsieur Sonnec qui était vraiment honnête avec tête. Et je pensais que c'était ça comme message que il était quitté pour nous tous, comme petit monde qui grandit avec lui. Et c'était que nous pas besoin vendre ou bien vanter tête nous. Nous pas besoin vanter ça nous fait. Œuvre que nous gain pour nous faire. Quoi que papa me soit un monde qui était insistant pile sur l'excellence, l'excellence primée, et que et non nous potéa, faut que nous toujours et travaille pour excellent dans tout ça n'a fait. Mais en même temps, c'est pas nous qui pouvons têter nous dans ça que n'a fait et quel que soit et dans ça nous décider et avec qui ça nous décider à faire vie nous, quel que n'en soit saltaillé, monsieur dit que faut que l'excellent et travail que si l'excellent vrai l'autre monde ka wè li si gen moun ki apprécié il y a faut connait s'il bon s'il pas bon dans yeux pa yo mais ou même faut qu'on croit dans sa wap fè a et faut travail pour l'excellence. Super. Ou pas fait toute étude, alors étude pas fait toute étude en Haïti, notamment étude universitaire ou fait à la fois aux États-Unis et en Angleterre. Mais qui ça qui poto pas étudier en Haïti ou peut aller étudier à l'étranger? Est-ce que t'es gon val qui t'es faut traverser? Et bon, tu as plusieurs questions et tu as plusieurs raisons pour ça.
et des raisons personnelles, et parents m'étaient divorcés, elle m'était timoun, et tu as une question situation politique pays à époque que m'a entré dans secondaire, m'a fini secondaire, c'est une période très instable dans le pays d'Haïti, n'a pas l'époque 90-91 de très instable, donc pays a été en pile insécurité, même l'insécurité a été prend l'autre forme. Il était plus insécurité politique par rapport à par rapport à ça nous connaît journée aujourd'hui. Et donc parents moi t'es plus chita sous on l'idée que l'état peut-être mieux, l'état peut-être plus sûr et si nous t'es et si nous t'es et faire en route notre bord pour études, pour études. Et donc nous pas trop content, on pas besoin m'a pas cacher nous ça, moi même pas trop content, là m'étendé ça, grand pile monde qui pensait ça peut-être drôle mais son bagage que qui pas te faire plaisir en pile, m'étais toujours voulu rester ici. Notamment même dans l'âge tout côté me défend comment ça fait ménage donc ça t'est pas un pile problème mais nous t'ai accepté et nous t'ai allé à condition que et là nous fin joindre papier que université à bail que n'a tourné en Haïti tout de suite n'a commencé travail en Haïti et là tourne en Haïti mais avant que nous tourner en Haïti mais avant que on aller Kounia Nous t'es combien de familles en fait? Nous c'est combien mon papa certainement, mais vous les enfants, frères et sœurs, vous étiez combien là? Bon, on m'a dit que nous pas une famille traditionnelle. Oh, et t'es un divorce. Et donc j'ai maman moi et j'ai six sœurs, qui donc c'est même maman même papa, six sœurs Christina. Et puis nous gagnons Annabelle quoi, alors papa me devine où marié tout, bon pas bon ici, maman où marié tout et pas bon l'autre bon. Mais papa me devine où marié avec et Fulvie Fignolet qui est en cours en deuxième maman pour moi, donc me lever dans le tout ensemble que elles sont mien et puis nous gagnons six sœurs nous, donc qui c'est Claudia Annabelle Fignolet et qui actuellement est fini doctorat dans pays la Suisse. Et qui a évolué dans le domaine chimie et en Suisse dans le moment. Encore un autre haïtien qui a brillé à l'étranger. Voilà. Et puis, l'autre tourné ici après études, où vous travaillez avec plusieurs associations locales, vous travaillez avec organisations internationales, tout, notamment dans le monde développement. Ça veut dire que le concept de développement, c'est un concept qu'on connaît, que vous évoluez avec lui, qu'on travaille, tout. Dis-nous, par rapport à l'expérience PAO, qui sont pensés qui peut-être bloquer diverses initiatives qui prennent dans le pays a, parce que même tout des fois où j'ai fait des sens au terrain tout peut-être qui ça comprend c'est qui bloquer changement la condition la vie mounio changement dans pays en termes de développement ça pense que fait bloquer ça t'as son gros question et mon cher Lili m'pas penser gon réponse simple ou bien gon réponse unique par rapport à question ça et mais si on a essayé simplifier li moi t'a ka dit que question et combite que nous gagnons dans pays ça particulièrement dans zone rurale sont questions que nous doit faire briller faire jaillir dans tout pays parce que moi pense toute initiative développement qui doit représenter un combite économique politique sociale classe sociale et Mais tout le monde met ensemble et nous avons pile hypocrisie par rapport avec concept combite ça et dans pays d'Haïti. Nous avons pile hypocrisie par rapport à l'empêcher nous et honnête à tête nous mais honnête youn ak lot dans deux cas honnête à tête nous youn ak lot pour nous travailler pour nous sortir dans ça nous journée aujourd'hui. Oui, il y a pile facteur poids historique, et intervention étrangère, et qualité de l'éducation, instabilité politique, et interférence bailleur de fonds international. Tout facteur ça yo vrai, yo important, mais tout autant nous-mêmes en tant inter-haïtien, nous pas jouer une formule pour nous honnête avec tête nous d'abord et honnête entre nous pas ka honnête avec facteur externe pour nous joindre moyen pour nous avancer pour plus devant. Ça c'est vrai. Oui, c'est intéressant. Et qu'ils ont pensé lui-même, en fait, qui rôle l'État haïtien dans le contexte ça pour faire en sorte que, un, d'une part, alors, dans notre facteur, pour, par exemple, bailleur, pour aide internationale à recevoir, car on aide qui a vraiment aidé à faire développement, qui disposition l'État a dû prendre par rapport à contexte ça. Et qui disposition l'État prend tout par rapport à la question qu'on bite là. Normalement, l'État, c'est l'habit central, c'est l'habit principal de et ça qui a passé dans la société. Normalement, c'est ça le tadoué. Mais pour le tadoué rôle ça de façon efficace, l'État tadoué représenter volonté majorité qui est dans le pays.
Et moi pensé 200 ans depuis 1804, un peu plus que 200 ans depuis 1804, nous pouvons jamais jouer une formule réelle pour l'État représentatif réellement. Et ce n'est pas question élection nous habituer ouais yo que n'a parlé là et nous avons élection faite à nous avons presque 2 ans nous avons élection qui fait 50 ça 10 ans ça etc. Mais normalement on a suivi on a essayé faire on a essayé et garder tendance on a regardé que moun qui votait diminuer alors pourcentage moun qui votait diminuer a diminué de plus en plus depuis années 90 yo nous l'a dit depuis années 90 yo et c'est un phénomène qui pas en Haïti seulement c'est un phénomène qui global mais par contre perte de confiance que nous gagnons dans l'État perte de confiance que nous gagnons dans capacité pour livrer sous et exigence et revendication que nous mêmes nous gagnons en tant que population dans pays ça est de plus en plus réel dans le système politique là qui fait que nous pas qu'arriver croiser à tant de population avec capacité l'État pour répondre et tout autant nous dans logique ça on capable dire rôle l'État par rapport à l'aide internationale parce que une bonne question simple et on bailleur de fonds dit que mes exigences pour l'accordo, on don et quel que soit saltaïr et financement même l'État qui derrière institution ça nous capable dit et c'est lui qui permet tout river chita sous pouvoir vous comprenez donc c'est pas représentativité qu'on gagne qui sorti dans la société qui permet de vivre réellement, réellement, même si nous ballons un visage légitime à travers des élections, vous comprenez? Et comment on parle négocier avec? Si vous même qui là, qui chita avec moi là, vous dites moi que et nous parlons faire tel bagage, tel genre, et le fait que je chita là, c'est dans la poche où que ça a sorti qui fait je chita là ensemble avec aujourd'hui. Ouais. Mais comment on parle négocier avec? Comment ça devient un jeu de redevance tout le temps entre l'État et des fois les bailleurs ou ceux qui ont l'argent et le capital. Exactement. Et non même et donc qui fait que jouette démocratique là, il pas profonde assez en Haïti. Nous pouvons faire arriver côté revendication et légitime revendication populaire et nous pouvons assurer que y ait assez de connectivité avec système décision, moun kap pren décision, système et décisionnel dans pays a pour se yo primer, Et nous pensons que jouette démocratique, ça gouvernance démocratique là, son bagay qui fondamental et dans capacité l'État pour jouer le rôle qu'il supposé jouer. Alors, en parenthèse parce que nous souvent parenthèse à sous démocratie ou même parce que étude pour eux, c'est étude qui a rapport peut-être avec parce qu'au fond, étudiant en Angleterre, qui a rapport avec peut-être pas politique publique, mais en tant que avec programme, c'est ça? Non. Plus ou moins, c'est politique, moi, apprendre dans l'université. Et donc, c'est question et philosophie, idéologie et politique publique et que moi, j'ai étudié. Et bon, il y a. Je ne sais pas combien de temps, parce que je n'ai pas besoin de dévoiler l'âge là, mais bon, il y a un petit temps. Depuis que nous sommes dans l'étude. Mais oui, effectivement, c'est question. Politique publique et philosophie et idéologie politique. Voilà. Et politique publique, en termes de l'organe configuration État organisé pays, en termes de choix au fait, que je comprends différentes politiques publiques, différents programmes, si vous voulez, que chaque gouvernement peut passer par l'appliquer, et qu'ils ont gardé, qu'ils ont compris, nous-mêmes, en tant qu'on spécialiste en affaires politiques publiques, qu'ils ont compris le suivi étatique là. Parce que suivi étatique, ça veut dire que tel gouvernement est là, tel gouvernement, tel programme, telle politique publique, tel défini d'une façon, tel gouvernement vient, ou bien d'une façon. Qu'ils ont compris ça. L'organe pays, on prend de peut-être de 4 de 2000 de 2000 de 2000 à nos jours. M'a retourner sur ça moi t'ai dit tout à l'heure, gagner on nous caractériser le tant qu'on gon cassure. Dans système là de gouvernance pays. Ou gagner ou une population générale, ou gagner et représentation organisée de population en général ça à divers niveaux dans divers sous divers formes.
Il existait soit à travers des organisations communautaires, soit à travers et des syndicats, soit à travers et des organisations de droits moun, des organisations qui regroupaient soit pour une représentation directe vis-à-vis de population, soit pour une représentation secteur, des associations pour représenter et revendications qui t'a sorti dans le secteur association médias par exemple. Donc après ça, connexion entre population et représentation ça au niveau social pour aboutir à une connexion avec le système politique, normalement faut un lien formel institutionnel clair pas vrai, pas vrai qui côté ça existe dans pays d'Haïti ou gagner des partis dites de gauche dans l'autre pays qui même syndicat ou bien des syndicats à part entière yo même parti à part entière. En Haïti, nous pas habitués ouais débattre comme ça. Non. Yo même syndicat à part entière. Et ou gagnent des organisations qui représentent des l'autre intérêt qui des intérêts de lobby, des groupes de pression qui ont même représenté intérêt, mais yo même yo gagnent des relations formelles directes avec des partis politiques. Qui veut dire que les partis politiques ça arrivé au pouvoir, yo même par rapport avec c'est comme si statut vient changer automatiquement. Il vient changer, il vient alors pression que yo exercer en dans structure de parti ça, il dit que politique que yo pas défendre au pouvoir, il déjà reflété un consensus qui était établi à l'avance et qui garanti par des mécanismes formels. Yo garanti par des mécanismes formels. En Haïti, nous pas gain ça. Tout le monde ou gain des partis politiques mais vraiment c'est des partis qui de nom non seulement parce que attendez au monde les partis sous telle bannière les rivaux décider politique telle bannière c'est pas ça qui t'intéresse l'a fait ça lever c'est lui qui finance ses propres campagnes donc pas gain structure ça pas gain vous comprenez formalité ça donc on cassure entre espace politique soit que vous prenez espace l'État d'abord espace politique espace société civile et l'espace social de façon macro. Gen on cassure dans chaque espace ça qui fait youn pa ka connecter à l'autre pour faire combit ça que nous besoin pour payer à avancer. De fait nous avons un gros problème de connexion nous tout exister mais nous pas jamais mettre nous ensemble vraiment, pas jamais ensemble. Gon méfiance dans société là. Gon méfiance faut lutter contre méfiance ça mais c'est dans organisation c'est organiser pour nous continuer à organiser nous c'est connecter à partir de organisation connecter avec des lots développer des agendas sur une base consensuelle parce que faut admettre et c'est là me dit que gain hypocrisie dans question combite là nous pas qu'à laisser combite maintenant combite là c'est tout ça me dit pour bon tout ça dit a pas rien pour avec réalité a c'est ça me voulait pour passer donc faut que nous faire des sacrifices pour nous venir à des visions consensuelles pour nous tout le monde qui a mis main à la patte pour nous faire payer ça avancer. Voilà. En fait, qu'ils ont défini réussite, Jean-Claude? Comment moi-même? Bon. Ou défini qu'ils ont compris la notion de réussite là? Réussite là, son bagage pour moi-même et qui pas trop compliqué et dans le sens que et où un objectif et c'est la réalisation ou pas de objectif ça yo ou bien et la marche vers ces objectifs et non ça va faire non la marche vers ces objectifs donc tout autant que ou marcher vers objectif là ou cap toujours dit ou sur bon route là et bien son réussite que lui et est-ce que l'organe Haïti est-ce que vous pensez que Haïti a marché vers une réussite ou vers une démarche d'échec Jean-Claude? Ça c'est une question très intéressant et je pense c'est une question que société a leader et parti politique nous ta doit vraiment chercher une façon pour nous répondre à la question ça de façon collective de façon collective et raison que fait me dit ça l'autre jour un monde à l'étranger un ami mon ancien camarade de classe à l'université qui voyait
on va moi sur WhatsApp, on va YouTube, sur YouTube qui a montré que pays que yo pensé d'ici disons 2080 et à un horizon 50 ans, 75 ans qui pas exister encore. Et sous 15 pays ou 20 pays, me pas songe combien yo était, mais Haïti était figuré comme troisième cas puis probable comme pays qui pas exister encore sous horizon ça. Sous horizon ça. Et que Et ça fait tout bon. L'État qui a suspend existé au moment de la durée. L'État qui a suspend existé. Les cas qui a suspend existé au moment de la durée. Et il y a eu un ensemble de facteurs et avec un ensemble de scénarios probables pour ça. Ça a été relié à Haïti à habiller dans 50 ans, dans 75 ans. Donc, tout simplement, en province de la République dominicaine. Deuxièmement, on protectorat des Nations Unies. Et troisièmement, on pays et on espace qui est inhabitable parce que l'environnement nous pas qu'à supporter et la vie. L'environnement nous pas qu'à supporter la vie. Donc, tu as un ensemble de scénarios qui ont été présentés. Alors, l'idée derrière ça, un ensemble de facteurs qui derrière ça tout. Et un, il est clair que m'ba quoi là-dedans. Et deuxièmement, il y a des agendas politiques, idéologiques qui derrière mode information ça et tout. Là, on regarde une information, toi souvent nous réceptif, nous chita n'a regarder et puis nous dit ouais. Voilà. Haïti pas existé dans 50 ans, dans 75 ans. Mais en même temps, nous pas poser mais pour qui ça on moun ah oui pour qui ça on intérêt on groupe on institution on pays à véhiculer information à véhiculer une information comme ça à produire et véhiculer une information comme ça donc ensemble de facteurs mais n'empêche à mon avis que nous pas poser tête nos questions mais est-ce qu'il pas gain des bagages que yo dit là-dedans que si nous pas veiller si nous pas tirer leçon si nous pas chita réfléchir, dialoguer, construire confiance n'a pas parlé depuis tout à l'heure là, si nous pas fait ça. Et est-ce que scénario ça que yo présenté a, il pas probable. Même peut-être si nous pas dit probable, mais est-ce qu'il est pas inévitable, il pas probable, est-ce qu'il pas tout et est-ce que nous pas contribuer à rendre l'irréel. Donc là, c'est peut-être ça, moi, je dis que, est-ce que Haïti a marché vers un échec ou bien vers une réussite? Bon, peut-être c'est une vie, les questions en l'autre gens tout. Ou bien c'est une vie, les réponses en l'autre gens. Je pense que Haïti, toujours, nous gagne un pile, nous doué gagne un pile fierté. Nous doué gagne un pile fierté. 1804, nous connaît la gloire de nos ancêtres et la réussite. Et de nos ancêtres nous connaissons. Nous connaissons tout que immédiatement après il chiré pit là il commence à gangréner société a et mener nous jusqu'à côté nous hier. Maintenant toute gangrène ça et avec tout facteur externe qui marché et contre nous que ce soit dette de l'indépendance, que ce soit occupation américaine, que ce soit dictature qui supportée par des forces externes, que ce soit les politiques et monétaires qui imposées par des institutions externes et mais nous là toujours. Oui. Nous là toujours. Oui. Mais nous pas voulez entrer dans la logique tout simplement plutôt nous l'aide nous là. Qu'on y a là c'est qui gens nous qu'a tiré leçon de l'aide nous là. Pour nous tout simplement nous bon nous là voilà nous bon nous là et n'a pas marqué pour nous venir nous pose là Jean-Claude n'a tourné après pour nous garder qui gens nous ca nous bon nous là mais garder tout question de jeunes qu'on y a qui a quitté pays juste parce que ils pas voulu entrer rester dans la logique nous l'aide plutôt nous l'aide nous là n'a pas tourné tout à l'heure on va suivre à travers la télévision Pacifique je dis à nous une chance nous Jean-Claude Fignolet qui c'est petite Jean-Claude Fignolet grand romancier de réputation internationale qui transitait l'an dernier, mais tout qui c'est neveu, mais petit neveu, arrière-neveu de ancien président haïtien, Pierre Eustache Jean-Claude, Daniel Fignolet, pardon. Rétac, nous, on a tourné un petit moment.
On suit à travers la télévision Pacifique, je dis à nous à recevoir Jean-Claude Fignolet, qui est spécialiste en affaires politiques publiques, qui en affaires développement tout, puisque nous sommes qui travaillent dans le monde développement en pile. Et avant, posant d'ab garder que plutôt nous bon, faut que nous là. Alors plutôt nous bon nous là, au lieu que nous l'aide nous là. Et nous avons garder que ni mon oncle, alors, ni grand tonton, mais mon oncle papa qui c'est Daniel Fignolet, qui c'est ancien président. Ni et Jean-Claude Fignolet, qui était papa, grand romancier de renommée internationale qui transitait malheureusement l'an dernier. Donc, tous les deux, malgré peut-être que Daniel a subi pression dictature là, mais nous tous les deux, rester en Haïti, ça c'est arrivé, ils transité, ils mourir, c'est un petit peu simplement, mais ils ont tout fait parcours en Haïti. Ou même tout, tu as une possibilité à un moment de quitter le pays ou étudier à l'étranger, mais on tourne dans le pays toujours. Qui est-ce qui explique l'attachement à le pays? Surtout dans la famille, qui sont famille peut-être qui, sur le plan politique, qui étaient bien connectés. Quoi. Moi, je dis pour la famille, hein, et la famille Fignolet, son famille qui est sortie dans la région Grandens. Mm-hmm. Et papa m'a dit que la recherche qu'il a fait dans la dernière année, ça, et sous les racines nous dans le pays, et nous sommes arrivés et retracé jusqu'à un lieutenant Fignolet. Et qui était goumé dans la révolution guerre de l'indépendance. Et donc me pensais nous enraciner, ça veut dire et l'on but nous marier à pays avec pays surtout zone Grandens là, et qui c'est jusqu'à date même après gros cyclone qui sont passés année passée sous zone là. Et nous vraiment attachés, nous vraiment, moi-même personnellement, et l'MDT, j'ai 7 ans, c'est dans la zone Villa Bricot, et que moi j'ai une expérience, et côté j'ai fait vacances avec papa, moi, j'ai fait toutes vacances là, j'ai marché, monter, descendre dans le monde, j'ai mangé avec tout le monde que j'ai croisé sous chez même, j'ai baigné dans la mer, j'ai fait journée dans la mer, et puis j'ai tourné Port-au-Prince. Et puis n'a monté sous mon dans l'a quitté Abiko a monté au monde déchet dans des machines et puis m'a viré garde derrière puis m'a regardé immensité et pleine avec l'en mec a pouvait devant et puis pété crier mon émotion qui prend pété crier et depuis jour ça moi connais que c'est bagain l'autre côté qui pour moi ça veut dire bagain l'autre côté qui pour moi donc pour famille nous et moi ben, c'est gen sœur qui sit ensemble avec moi, gen l'autre sœur qui là-bas qui a étudié et qui dans question recherche, qui a évolué dans domaine chimie, mais que me penser que li gon attachement et avec pays la li gen pour le tourner à un moment donné quand même. Et nous penser que nous sont famille qui nous gen des en position côté nous joindre opportunité particulièrement par rapport à l'éducation et que nous pas qu'un bel pour nous, nous pas qu'un bel pour nous seulement. Nous gagnons pour nous partager, nous gagnons pour mettre le service de construction sociale, construction développement. Et nous pensons que et ça sont bagages, ça sont valeurs et qui traversent nous et qui marquent nous en tant que famille et qui jaillissent sous majorité familiale. Mm-hmm. Et puis qu'ils en comprennent. Et l'idée de toute jeune ça qui peut-être pas partager valeurs ça mais qui dit bon que gagne pas le Chili, gagne pas le Brésil, gagne pas l'autre côté qui a cherché la vie, que je comprends ça. En tant que spécialiste en politique en programme politique mais en tant que spécialiste en tant que monde qui travaille tout le monde développement. Bon, nous croyons que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus inégal. Nous vivons dans un pays qui a pile d'inégalités, qui marque l'histoire, qui est de plus en plus inégal, mais que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus inégal. Et donc, qui j'aime comprendre ça, c'est que l'humain, nous c'est quand même des. Nous rationnels en tant qu'être. Oui. En tant qu'être. Oui. Et nous chercher, mettez-nous, et côté gain plus d'opportunités. Côté gloire couler pifré. Donc phénomène migration ça son phénomène mondial et Haïti pas vivre en dehors du monde nous sous voyager nous garder en Europe
tout problème que question immigratoire bail nous garder aux États-Unis avec le président actuel et Mexique l'Amérique latine qui a monté et donc c'est un phénomène qui est tout à fait logique et rationnel même là il fait nous mal en tant qu'haïtien et il fait nous mal en tant que monde qui t'a voulu un changement on l'autre on lendemain meilleur dans le pays ça maintenant et rationnel et parce que en réalité il y a un bail qui c'est que pour nous faire développement nous besoin ressources nous besoin à la fois ressources l'argent en termes de ressources financières ou économiques mais nous besoin monde tout parce qu'en fait développement sont tout quoi alors c'est par rapport à tout généralement ces jeunes qui allaient qu'ils ont même ouais développement sans jeunes ça alors qu'ils ont ouais pays à cap changer peut-être pour une quatrième existence à Keta mais sans jeunes ça qui prend les jeunes aujourd'hui et c'est peut-être ça nous parler de tristesse de gens sans gens de qui gens ça marque nous effectivement et c'est pas pour rien que ces jeunes qui ont parti c'est pas pour rien c'est parce que c'est eux qui ont courage c'est eux qui ont force pour chercher opportunité et nous pas ko mettre en place et une économie qui gain capacité pour intégrer pour yo servir de force ça de courage ça de créativité ça et pour yo pour yo gon vie nous capable dire normal maintenant et en termes de politique publique faut gon accent sur l'éducation secondaire professionnelle et universitaire il faut qu'on maconaille en éducation ça qui d'abord en termes de qualité faut lui augmenter en termes de quantité faut le jaillir faut le blaillir dans le pays mais deuxièmement faut qu'on en connectivité donc c'est même là nous t'a parlé tout à l'heure des questions cassure et de connectivité faut qu'on connectivité avec un marché de travail qui basé sur une économie nationale. Nous avons une économie d'importation en Haïti. Nous avons une économie d'importation. Clair. Et notre plus grande exportation, nous, c'est Moun. C'est plus grande exportation, nous. Nous exportons des humains. Nous exportons des jeunes. Nous exportons des jeunes. Maintenant, comment changer et donner ça qui gens pour nous bon encore une fois c'est une question très complexe et qui peut-être pas demande une journée pour nous chita pour nous parler sous mais grosso modo et on pensait faut et nous chercher ouais qui gens qui a valorisé en d'un pays ya, ça nous-mêmes nous et là ça a commencé avec nous-mêmes d'abord on parle bon exemple très clair. Moi al Brésil. Et là moi vivais Brésil, m'a traversé, une fin traversé immigration, agent immigration, l'elle garde passeport, lui ouais c'est première fois m'a vinn Brésil. Monsieur dit ah mon cher première fois m'a venir etc. Monsieur dit mon cher gon bail pour essayer, monsieur dit bail la relé Feijoada. Dit monsieur, OK, pas un problème. L'elle rencontré brésilien, m'a rencontré, m'a demandé yo femme, on mangeait Feijoada. Nous sorti dans l'aéroport, monte un taxi à monsieur gardé, monsieur dit est-ce que c'est qui côté sorti, me dit monsieur Haïti, monsieur dit oh, monsieur dit première fois venir, me dit oui, monsieur dit ah, faut essayer un bagage, yo relé Feijoada. Oh là là. Tu OK. Après deux Feijoada. En une seule journée. Non seul inédit. Inédit, oui. Rivé dans hôtel, m'a rentré dans hôtel, dans réception de l'hôtel, yo mandé même question, yo dit me Feijoada. Oh là là. Sorti dans l'hôtel mal dans bureau, c'était non on réunion de travail qui était mené au Brésil. Rivé dans bureau, mon Brésil, directeur et actionnaire de Brésil à l'époque, yo, monsieur recevoir moi et puis monsieur Dim il présenter ma l'équipe et puis monsieur Dim et c'est première fois il vient en Haïti et puis tout oh tout le monde levé main en l'air, il dit mon cher Feijoada. Ouais là là. Dit pas grave, tout le monde a parlé ça Feijoada. Personne nous pas veut dire. Et puis nous rivé dans soirée, nous travaillons, fait toute journée à travail et puis dans soirée, dit bah voilà mener mon côté. Là moi rivé mon restaurant. Belle bagaille d'une élégance extraordinaire. M'entrer dans restaurant
Et puis yo chita et puis yo di hey, on parle du bagage en portugais, bagage, me vinn comprendre, yo di ah, ça sont étrangers première fois, et puis nèg la gardé, monsieur dit me fait du wada, et puis me dit monsieur fait du wada. Bah oui. Ou konza fait du wada? Non. Du yak sospo. Yo tellement valorisé. Oh là là. Mais yo intériorisé valorisation ça. Pour yo même un bagage qui fait Brésil. Automatiquement li bon ou ap wèl nan secteur touristique Brésil là secteur touristique yo meno nan bidonville parce que bidonville yo gen des côtés ou ka gade ou gen des belles vues sou res ville là yo fò yo meno nan bidonville en fait yo fè sa k te ka paraître led là vinyon source de beauté source de fierté et on source de connectivité nationale. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, il y a un ensemble de pour ça te vient refléter dans la politique et sous gouvernement Lula. Et il y a un ensemble de produits artisanaux, des produits de produits qui sortent de la paysannerie et que gouvernement t'est intégré dans le programme national et cantine scolaire, que gouvernement t'est intégré dans le programme national de sécurité sociale pour assurer que gagner un brassage, une connectivité en dans l'économie par rapport avec sa terre à produit, sa mounio pensée, sa mounio construit, etc. pour et assurer que l'économie nationale prime sous l'économie de l'importation. Alors, une question. Qui place connectivité nationale ça que nous-mêmes haïtiens, nous devons penser, vivre chaque jour, côté nous tous haïtiens, nous tous faisons seul, qui place connectivité ça en dans souveraineté nationale qui a parlé de lui tout le temps, qui a souvent avancé tout le temps? Eh bien, c'est même pas là, oui. C'est même pas là. Pour... Parce que nous qui place lui, qui place connectivité à, parce que c'est, est-ce que début... Connectivité à, c'est l'ignan en cause à. C'est ce qui nous a causé. Pour nous être souverains, d'abord, il faut que nous entendions entre nous. Il faut que nous connections entre nous. Pour nous être souverains, c'est ce qui nous a causé. Ça veut dire notre souveraineté, c'est connectivité. Il faut que nous ayons un agenda national qui nous goûte pour lui. Nous avons goûté entre nous, oui, mais dès que nous entendons, nous entendons nous sous lui. L'autre agenda national, là, on nous a la vie plus facile. L'agenda national qui nous a de comprendre. On agenda sous développement. Sous développement. Ça veut dire développement, n'est pas un concept en l'air en l'air. Oui. N'est pas un concept en l'air en l'air. Développement, il sorti dans capacité nous-mêmes pour nous autonomiser et valoriser ça que pas nous. Ça que pas nous. Et à partir de là le reste là a venir. Si nous-mêmes nous ca valoriser et autonomiser ça pas nous si nous ca connecter et production d'huile à Tibonite à respect comme par exemple fait que dire la semaine passée bon vidéo voilà par exemple par exemple son exemple classique Haïti son pays vulnérable pays vulnérable donc une catastrophe et soit tremblement de terre cyclone inondation nous gain toute qualité. En général, bah ça a évolué dans le secteur développement longtemps. L'automatise des acteurs, et ce n'est pas forcément seulement les acteurs internationaux, mais des acteurs de façon haïtienne et internationale. Côté nous chercher, manger pour nous porter des gens qui en ont besoin. Généralement, c'est l'autre bord de l'eau qui appelle la fête. Connectivité. Ça veut dire qu'on commence à tourner vers la caille, nous regarder ça n'est la caille qui est important, qui est bon. Exactement. Programme manger qu'a ba dans l'école yo. Côté manger à sortir. Ça extraordinaire. Éducation nationale. Et manger qu'a ba dans éducation nationale, côté le sortir. Et nous ca chercher l'autre exemple, mais Idée très simple. Oui, clair. C'est entrer sous nous, virer, garder sous nous, et à partir de ça nous est valoriser, connecter, et à partir de là, le reste viendra. Si nous avons pour nous vendre ici, nous avons vendre ici, si nous avons pour nous faire promotion l'autre bord, nous avons fait promotion l'autre bord, mais que c'est sous lui
que nous autonomie, que nous autonome. Économie simple, c'est sous lui que le chita, nous pas nous pas pour les besoins, n'a importé qu'on y a banane. Mes amis. Cocoyer. Oui. Gade bagay. Ouais. Qui inexplicable. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Mais ouais. Nous gagne pile route pour nous faire pour nous arriver là parce que trop chi répète. Trop chi répète. Alors nous arrivons en ligne droite avant émission arriver dans bout de ligne et Jean-Claude dis-nous ou rencontrer obstacle en vous pour te arriver ici quand même d'abord pour aller étudier pour tourner pour travailler dans mon développement ou t'es même arrivé directeur pays en termes de action aide pour Haïti et pour République dominicaine. C'est pas toujours facile jeune monde qui haïtien mais qui dirigeait organisation internationale pour deux pays ça ou rencontrer obstacle et qu'ils ont fait pour surmonter obstacle ça généralement sous te rencontrer peut-être au un monde qui tout porte ouvert automatiquement. Non, jamais de la vie. Nous rencontrer obstacle dans carrière nous, dans vie nous. Et moi nous sommes monde qui très ouvert et qui chita sous dialogue et qui cherchait résoudre problème par le dialogue, qui cherchait résoudre problème par le dialogue. Donc très souvent et si on obstacle qui présenté devant m'a bon exemple. Et moi t'ai à cause de mon départ précipité de directeur action aid à l'époque et m'ai eu une opportunité pour me présenter candidature dans cette organisation ça. Et mais t'es très jeune à l'époque, m'ai eu 27 ans et t'ai eu un pile doute. Dit est-ce que m'ta présenter tête moi dans un poste aussi haut, est-ce que m'ba dû chercher plus expérience avant. Et m'a parlé ça avec madame moi, m'étais jeune marié à l'époque et lui dit non, il faut opportunité à là, faut présenter tête tout. Moi présenter, moi pas bon. Moi pas bon, t'ai gain on pan et m'étais gain un ensemble de compétiteurs excellents. Et yo là dedans yo bon sou moi, yo là dedans yo bon sou moi et monsieur te gen raison bon sou moi, m'te obligé ka admettre que moun ki passé a moi même l'on met CV m'en face CV l'on met pas couli en face pas moi pas gen victoire honnête. Exactement victoire honnête. Moi rencontrer nouveau directeur a moi balle en main, moi dit monsieur félicitations et son félicitation son place méritée que il entre là-dedans et que moi-même moi prêt pour une collaboration dans toute salle tu as besoin. Nous avons une bonne collaboration et après monsieur Ali lui-même et moi t'ai reposé candidature et c'est là ça que moi t'ai venu directeur. On va venir directeur. En fait l'émission arrive dans bout de ligne Jean-Claude, mais avant nous finir un mot spécial pour jeune qui a regardé l'émission là, pour monde tout qui peut-être travaille à l'institution, qui a peut-être pour monde tout qui a essayé chercher une façon pour sortir, mais une idée, un message spécial pour vous, c'est qui ça le d'habiller. Quoi dans tête nous? Quoi dans tête nous? Quoi dans tête nous? Valoriser tête nous, quoi dans pays et valoriser et bagay qui pi minime ko ka wè et ko ka wè ko passé en risible, c'est li gen valeur là-dedans. Musique nous nous pas besoin de chercher musique l'autre bord pour nous mettre en créole, nous gen musique pas nous qui riche, qui diverse, qui diversifié, qui extraordinaire, manger même bagaille, pays à même bagaille, visage pays à même bagaille, même là ouais des côtés qui a des fatras, mais qui a des bagailles que nous ka faire avec fatras en Haïti. Donc quoi dans tête nous, quoi dans tête nous d'abord, quoi dans tête nous amener nous quoi dans pays. Merci en plus Jean-Claude pour parce que tu as accepté l'invitation, parce que passer temps ça avec nous. Nous te remercions et puis télévision a toujours été ouvert pour n'importe quelle autre émission à n'importe quel autre moment. Merci beaucoup, un plaisir. Merci, voilà, c'est là à travers Vélan Boudli Jodia. Merci parce que tu as suivi l'émission à travers Jodia. Changer, quoi l'entête, non, confiance et puis connectivité. À bientôt pour notre sortie d'à travers. Au revoir.